Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo spéciale rentrée des classes. Donc plus hall que rentrée des classes. Mais voilà, donc Léana, ma plus grande, va avoir 10 ans en octobre et rentre en CM2. Pour ça on n'a pas encore la liste pour les fournitures, etc. Mais c'est surtout les affaires qu'il me fallait. Ensuite, j'ai Alicia qui rentre en deuxième année de maternelle. Et je suis très contente pour elle. Les deux sont ravis de rentrer à l'école. Donc on verra bien comment ça va se passer. Je ne suis pas maquillée, rien, parce que je suis rentrée du travail il y a peu de temps. On a eu le temps de manger et de mettre un dessin animé aux filles. Et en attendant, moi je vais tourner un peu cette vidéo parce que nous sommes vendredi soir et il va falloir que je lave tout ça avant de pouvoir les ranger dans leur armoire. Donc il fallait tout, je tourne la vidéo et comme vous le savez, j'ai du mal à faire mes tournages de vidéos ainsi que mes montages parce que je travaille 5 jours la semaine et je peux vous dire que je rentre assez tard en ce moment, donc c'est pas évident de trouver du temps pour cela. C'était la partie. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a pu trouver avec mon mari. Mais le hall, nous avons été chez Auchan. Alors, nous avons commencé par voilà, un survêtement, c'est très très bien pour l'école. Moi pour Alicia, c'est souvent les leggings, les survêtements, c'est pas cher et s'il y a un trou, c'est pas trop grave. Et c'est très facile à enlever quand on veut aller aux toilettes et on n'a pas obligé de demander aux maîtresses et tout ça. Alors, survêtements, il y en avait plusieurs sortes et les filles ont choisi, je crois qu'il y avait bleu marine et tout ça, et les filles ont choisi la couleur saumon un peu corail avec un élastique, et ça c'est pas un faux élastique, donc ça c'est bien parce que mes filles sont pas ont la taille assez fine, et des vraies poches avec un petit cœur couleur or, couleur dorée. On l'a pris en 6 ans, on l'a essayé en magasin et nickel. Et oui, Alicia n'a que 4 ans 4 ans et demi je dirais là. Et voilà, c'est celui qu'elle a choisi et elle met du 6 ans. Avec ceci, non, il y a une veste, mais elle est en dessous, donc je présente un peu au hasard ce que je trouve. Léana voulait une salopette, donc c'est ce que j'ai trouvé. Je regarde en même temps au niveau du temps. Alors, voilà, une salopette en jean, voilà, hein, toute simple, chez Auchan, et puis voilà, qui s'attache là. Et on l'a pris en 12 ans. Et oui, Léana, maintenant, c'est du 12 ans. Ah oui, j'ai pas dit les tarifs. Pour le bas de survêtement, nous l'avons acheté donc, en 6 ans, 7,99€ pour le pantalon. Sachant qu'il y avait une promotion qui était, si vous achetez le bas, le haut était avec un pourcentage, je crois. Donc, je ne sais pas si ça y est encore. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on avait eu. La salopette, toujours chez Auchan, 14,99€. Donc en 12 ans, ça fait bizarre. Ensuite, Léana a pris le même survêtement que sa sœur. Elle a choisi, pareil, couleur corail avec le petit cœur doré, l'élastique, etc. Donc en 12 ans. Et il a coûté également 7,99€. Donc voilà, on arrive aux vestes. Donc pour Alicia, la veste, c'est celle-ci, couleur corail, avec des points blancs, toujours des poches devant, un petit zip ici jusqu'en bas, et c'était moins 50, voilà, là on est moins 50 sur le pantalon, qui était à 8€, enfin 7,99€, et le haut 9,99€. Donc c'était sympa hein, pour avoir un petit survêt pour la rentrée pour le spa. On ne demande pas pour les tout-petits en maternelle, mais pour Léana, il y en avait besoin. Ensuite, Léana avait besoin de pyjama, donc là c'est pour Alicia, mais c'était surtout Léana qui en avait besoin. Donc pour Alicia, je lui ai trouvé celui-ci qui est en gris avec petit motif princesse, donc un château, une licorne, etc. Avec du rose pétant ici et là, voilà les coutures. Avec le pantalon, avec des lunes et étoiles dorées pailletées en gris clair. Et je l'ai pris en 6 ans et il m'a coûté, je peux vous dire que je l'ai acheté hein. Mais je n'ai pas le prix dessus d'ailleurs, c'est bizarre. Alors, 7,99€ le pyjama.
Ensuite, bah, pour le haut, voilà, survêtement pour Liana, la même chose que sa sœur, avec le cœur en couleur dorée, toujours le zip et tout, avec toujours le moins 50 sur le bas à 9,99 également, comme sa sœur. Voilà, côté survêtement. Donc, je vous avais dit, Liana avait surtout besoin de pyjama parce qu'elle a grandi et là, ça lui faisait des, vous savez, des pantalons 3/4. Et Léo, pareil, ça remontait beaucoup trop. Donc, on a dit, bon, on va passer aux 12 ans. Donc, on n'a pas encore essayé. On verra bien. Je pense que ça ira au pire, le pantalon, elle le retourne au niveau de la taille, histoire que l'élastique lui serve bien. Donc, 4,99 celui-ci. Je trouvais sympa, celle qui a choisi. Hein. C'est pas moi, j'ai montré plusieurs modèles. Donc en bleu marine et rose, et le pantalon en bleu marine avec des cœurs roses. Et il a coûté 4,99 en 12 ans. C'est bizarre de dire que j'ai déjà pris du 12 ans, bientôt elle va aller voir dans mon armoire, vous allez voir. Hein. Elle va me piquer mes vêtements. Ensuite ce pyjama là, donc c'est les pyjamas qui ne sont pas du tout en velours, hein. C'est vraiment des pyjamas d'été, mais suffisant, chez nous il fait très bon. 7,99 en 12 ans, il est en gris et couleur saumon. Saumon très clair. Voilà, princesse, tout ça, je sais même pas ce que c'est un animal préhistorique. Un dinosaure, voilà, c'est marqué Dino Princesse. Un dinosaure avec une couronne sur la tête. Donc voici pour ça. Et également celui-ci, qui est le même que sa sœur. Elle a choisi le gris, vous savez, avec le rose pétant à 7,99. Voilà. Donc voilà pour ça, et le pantalon avec les étoiles et les cœurs pailletés. Ensuite, Alissa, il lui a fallu des culottes, elle a choisi celle-ci, donc c'est un lot, une petite trousse avec plusieurs culottes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 culottes, elle a choisi en bleu marine et tout, moi je voulais quelque chose d'un peu plus gris, blanc, etc. pour pas que ça se voit en dessous des vêtements certains, et au final, voilà, ce sont des culottes, c'est elle qui choisit en même temps, 6,99 en 6 ans. Liana, elle a choisi cette trousse-là avec effet militaire, léopard, en couleur rose, blanc, un peu kaki. En 10 ans, par contre, hein, comme elle a une taille. Voilà, une taille de guêpe, comme on dit. Elle est très mince. Très mince, elle est bien portante, hein, mais au niveau de la taille, elle est très fine. Ensuite, il fallait des chaussettes pour Liana. Donc, j'en ai pris une paire de basiques blanches, donc les 6 à 2,49. Hein. Et ben, j'en ai profité pour prendre également en couleur avec du rose, c'est très très bien, c'est très girly. Donc voilà, Alice avait déjà une tonne de paires de chaussettes, j'avais pas besoin d'en racheter. Et ensuite chez Leclerc, par contre là j'ai trouvé le fameux cartable parce que Léana avait déjà un cartable, donc je l'avais lavé, etc. Et elle m'a dit non maman, en fait je voudrais un nouveau cartable. Si c'est possible, je voudrais un nouveau cartable parce que à l'école, ça fait déjà 2 ans que je l'ai et puis il y en a qui s'en fichent une de ma tête, pour être poli, en disant que c'était un cartable, ça faisait bébé. Donc je voudrais un sac à dos comme tout le monde, etc. Donc je lui ai dit, écoute, si ça te fait plaisir, il n'y a pas de souci, hein, on va changer, ça fait 2 ans que j'avais celui-là, c'est pas grave. Et quand on est rentré de vacances, je pensais justement avoir la promo, vous savez, quand vous arrivez à Auchan et puis que vous laissez votre cartable, vous avez un petit pourcentage pour pouvoir acheter un autre cartable, etc. Puis ça vous débarrasse de votre cartable. Et le truc qu'il y a, c'est quand on est arrivé, la promo était terminée, on ne pouvait plus donner les cartables et avoir cette petite promo. Donc bon, bah j'ai payé plein pot. Et au final, à Auchan, on y a été, c'était très difficile. On est arrivé le 5 août. Et nous, avant de partir en vacances mi-juillet, on avait déjà repéré un sac à dos à Auchan, qui était rembourrée dans le dos, rembourrée sur les épaules. Je voulais quelque chose d'assez bien pour elle parce que, comme je vous l'ai dit, elle est fine. Et je voulais pas que son dos, qu'elle aille mal au dos parce que maintenant, tout ce qu'on met à l'intérieur des cartables, c'est voilà, moi déjà, j'avais déjà mal quand j'étais toute petite, toute menue et j'avais déjà un sac à dos au collège et c'est vrai que j'avais mal au dos. Et donc, je pensais plus aux roulettes. Je me suis dit, c'est mieux pour elle et tout. Et non, non, elle voulait un sac à dos, pas un sac à dos avec des roulettes. Hein. Donc j'ai dit bon on va essayer de trouver ça et quand je suis revenue ben, en fait il n'y avait plus les sacs à dos que je voulais, elle en avait vu 3, les 3 n'étaient plus là. C'est parti à une vitesse au mois de juillet, je ne sais pas ce qui s'est passé et souvent ils ne réassortent pas du tout les rayons donc bah, j'étais un petit peu embêtée. Ensuite on est allé où on a fait bah, le Auchan à côté de chez moi, on a fait le Auchan à 10 minutes un quart d'heure aussi, un petit peu plus loin dans une zone commerciale à 10 minutes un quart d'heure pour essayer de se dire peut-être qu'il n'est pas dans un mais il était dans l'autre. Évidemment, il n'y en avait pas.
il n'y avait vraiment plus rien du tout. Et au final, quelques semaines après, j'avais un petit peu de temps, mes beaux-parents gardaient les filles, sont venus me chercher et j'ai dit bah tiens, si on pouvait aller à Leclerc, on n'est pas très très loin, si ça ne vous dérange pas. Donc on y était. Et à Leclerc, on a trouvé un cartable. C'était un des derniers modèles. Donc je voulais quelque chose de rose, noir, etc. Mais bon, tant qu'il n'y avait pas. Mais on a trouvé quelque chose équivalent, pas dans les couleurs, mais dans ce que je recherchais au niveau de l'ergonomie pour ma fille. Donc en fait, on a trouvé ce cartable-là qui est bleu ciel avec plein de petites taches, mais qui ressemble un peu à des fleurs. Bleu ciel et bleu foncé. Hein, voilà. Et surtout, il est rembourré au niveau des épaules. Voilà, le bas du dos rembourré. Également ici vous avez un système de scratch qui fait en sorte que selon le poids vous pouvez régler plus ou moins et que ça penche pas spécialement. Enfin voilà, ça équilibre un petit peu au niveau du dos. Donc je trouve ça très intelligent de leur part. Et il y a plusieurs poches, une grande à l'intérieur et une petite devant avec plusieurs rangements. D'ailleurs elle a aussi trouvé son agenda, d'habitude on prend un, les petits agendas en euros et quelques, voilà, avec un animal dessus, un chat, un chien, peu importe. Et là je dis fais-toi plaisir, donc après celui-ci qui était à 2 ou 3 euros, donc voilà, mais avec une couverture assez solide. Et je lui ai dit ça serait bien de commencer à faire attention à ton agenda parce que l'année prochaine tu rentres au collège et il va falloir bien écrire tes devoirs et pas faire n'importe quoi et voilà, ça va pouvoir te relire parce qu'elle écrit vite et je sais que souvent on donne les devoirs à la va-vite à la sonnerie et les enfants ont hâte de sortir et écrivent ça rapidement et des fois je fais qu'est-ce que c'est marqué, je ne peux pas te relire. Donc j'ai dit qu'elle en fasse attention quand même. Donc voilà voilà pour l'agenda, elle a choisi un petit babies, il est rose et gris, j'adore. J'adore. Moi aussi j'adorais choisir l'agenda et le cartable, c'est un des trucs aussi que je préférais. Donc voilà, avec plusieurs rangements, plusieurs poches et il est très très large. Donc elle est contente, c'est le principal, tout est en train de tourner. Voilà. Voilà pour le côté Auchan. Ensuite, excusez-moi, je suis passée chez H&M parce que j'adore aussi ce magasin pour un t-shirt et tout comme ça. Et franchement, je suis tombée sur une pépite. Pas au niveau du prix, mais au niveau de l'habillement. Ce sweat. Si franchement, il y avait une à ma taille, je l'aurais acheté aussi pour moi. Voilà. Il est kaki avec des fleurs roses. Avec marqué, je crois, New York. NYC. City Days. Il n'y a pas de fil pour resserrer, c'est pas plus mal. Parce que si ça tire trop d'un côté, ça va être... Maman, tu peux remettre mon fil. Il est très épais, voilà, très chaud et tout, avec deux poches là ici sur les côtés qui passent d'un côté et de l'autre. Mais j'en suis très très ravie, il est magnifique, non? Vous ne trouvez pas? Dites-le moi dans les commentaires, je suis sûre qu'il y a plein de filles qui vont avoir celui-là. Et je crois qu'il a coûté 17 ou 18 euros, c'est pas rien, non même pas, il a coûté 19,99, donc voilà, 20 euros quand même. Hein. Mais il était tellement beau, je t'y fais-toi plaisir, non? Il m'irait bien aussi. Hein. Bon, là, effectivement, j'ai juste attaché mes cheveux parce qu'on était dernier jour de la semaine et j'avais pas le temps de me laver les cheveux en rentrant à 7h le soir. Donc voilà pour côté H&M. Et on l'a pris en quelle taille d'ailleurs? Je vous dis ça, le prix, mais la taille, il était en 10-12 ans. Voilà. Ensuite, désolé pour le bruit. J'ai trouvé, ça ressemble plus ça. Hein. J'ai trouvé également chez H&M, je cherchais où est-ce que j'avais acheté des élastiques qu'ils avaient, mais je sais pas ce qu'ils en font, ils doivent les manger les élastiques. Juste ce matin j'ai cherché un élastique, j'ai fait mais ils sont où? J'en avais un milliard dans là la petite boîte, et puis ils ont tous disparu ou ils sont abîmés, etc. Bon, c'est pas grave, donc quand on a été là-bas, j'ai vu, il y en avait, donc j'en ai acheté. En couleur bleu marine, jaune, rose, rose pétant, rose pâle, turquoise. Et je l'ai acheté 1,99€. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Voilà, pour un bon début. Et puis j'en achèterai d'autres au fur et à mesure. Mais là, voilà. Comme ils mettent des choses un peu colorées parfois, ça peut être bien. Ce qui était bien pour H&M, c'était surtout pour Alicia. Parce qu'Alicia, il y avait une promo qui était les 3 pour 2 au niveau des leggings. Et comme je vous l'ai dit, les leggings pour une première année, même en maternelle, on va dire, c'est très 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 bien. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait, leggings à Auchan, à 2 euros, 2-3 euros, c'était très très bien.
Et bien là, j'ai pris un peu plus épais parce qu'on arrive bien sûr en fin d'année et le temps se rafraîchit. Même si en ce moment, je peux vous dire que nous sommes très très bien. Je l'ai pris en 5-6 ans, donc 116 cm celui-ci. Il est noir avec des petites licornes argentées. Voilà, et c'était 3 points de prix 2, et sachant que 1 valait 9,99. Donc je suis ravie, on les a essayés en magasin hein, avant d'acheter. Ensuite, on a pris celui-ci, donc toujours en 5-6 ans, à 9,99. Bleu marine, avec des petits papillons. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petites paillettes au niveau des ailes du papillon. Donc il est bleu marine avec du bleu violacé à l'intérieur. Donc magnifique, j'adore. Aussi... Et également celui-ci qui est en rose fuchsia avec des étoiles pailletées. Voilà. Nickel. Il est trop bien. Donc on a pris ça. Mais Léana qui est passée en 10-12 bah, passe de l'autre côté. Rayon presque adulte on dirait. Et bah, il ne fait pas des leggings. Je n'ai pas trouvé ce style et Léana ça y aurait plus. J'étais un peu dégoûtée et également j'ai craqué sur ça parce que je voulais un autre survêtement, un style et tout. Et j'adore. Il est noir, tout basique, même épaisseur que l'autre. Mais par contre sur le côté vous avez du rose, ligne blanche et ligne argentée également. Voilà, pour Alicia, les leggings très bien. Toujours en 5-6 ans à 9,99€. Donc celui-là il ne faisait pas partie du lot. Mais j'en suis ravie, ça fait un peu comme un survêtement, hein, vous voyez. Sauf que c'est un leggings assez chaud. Donc voilà pour moi, mes achats. Par contre, mes beaux-parents ont également été dans un magasin qui est, je crois, Bershka. Non, Zeman. Ils ont été à Zeman. On est à Zeman par chez nous. Et ils ont ramené des vêtements pour les filles. Donc, eh bien, je me suis dit pourquoi pas les introduire. Ils avaient déjà ramené, quand on est rentré de vacances, quelques t-shirts, je crois, au champ ou un truc comme ça. Donc, bah, je ne les ai pas avec moi. Je les ai lavés, rangés. Mais bon, c'est pas grave. Et donc il y a ce leggings noir basique, hein, le leggings noir pour Léana. Ils l'ont pris en 10-12 ans, il lui va très bien, 2,99€. Comme je vous dis, il n'y a pas besoin de mettre cher hein, pour l'école. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui achète de la marque ou tout ça. Donc, ensuite ce sweat en couleur saumon corail avec des paillettes, des écritures, hello, yes, etc. qui sont brillantes en couleur rose gold. Il était à 6,99€, c'est toujours de 10-12 ans, c'est pour Léana. Voilà, je suis un petit peu moins fan et j'aime bien la couleur. Ensuite, quelque chose, leggings également, en couleur, voilà, la vraie couleur, vous l'avez là, en couleur prune, vous savez, un bordeaux, ouais, une sorte de bordeaux prune, c'est, voilà, comme ça. Et en toujours, là c'est en 12 ans, il a coûté 3€. Le pull a coûté 6,99€, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc là, ce sont des leggings, pas des 3 quarts. Hein. Ensuite, le même leggings que sa sœur pour Alicia en 5 ans à 3€. Également, le même leggings pour Alicia que pour Léana en couleur bordeaux à 3€. Pour Alicia en 5 ans, ce petit haut avec de la dentelle ici en couleur vieux rose. Pareil, c'est pas mon kiff, mais ça fera l'affaire. Hein, voilà, 5€. Ce petit haut chez Zeman, mais voilà, c'est très bien. En plus, avec le bordeaux, ça ira très bien. Et également en 5 ans, donc ce petit sweat, très épais et tout, très bien. Marqué superbe, dessus en couleur bordeaux et un peu. Peu les neutres, hein, je sais pas comment dire, 8€ en 5 ans. Et celui-ci, par contre, vient de Kiabi. Ah, bah, je suis nulle. Alors, ça, c'est Kiabi. Ça aussi, c'est Kiabi. Et les autres, c'est Zeman. J'avais même pas vu qu'ils avaient trouvé ça. Bah, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Non, je vois rien d'autre. Non. Non, bah voilà, les filles sont prêtes, on leur a coupé les cheveux, j'essaierai de, si vous allez sur mes réseaux sociaux, je mettrai en barre d'infos mon Instagram, et vous verrez, les filles ont les cheveux coupés, donc Léana qui avait les cheveux mi-longs est arrivée aux cheveux courts, un carré, et Alicia qui avait les cheveux jusqu'en presque en bas du dos quand on les lissait, mais vous savez, les cheveux, des belles boucles et tout, là mon mari était chez coiffeur, je pensais qu'il coupait un petit peu, et au final il a coupé beaucoup. Mais ça lui va bien et il arrive ici.
Donc ça a dû couper au moins tout ça de boucle. Ça fait mal au cœur, hein. Mais c'est pas grave. Au moins, tout le monde s'en repousse des cheveux, mais ça lui va très bien. Donc ouais, j'espère que ce sont des cheveux, hein. Ce sont que des cheveux, je suis très contente pour elle, elle est ravie, donc c'est le principal. Elle est très mignonne et puis ça fera du bien à ses cheveux aussi. Elle aime encore les cheveux de bébé tout fin. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées à aller dans certains magasins, vous savez à peu près les prix. J'ai pas filmé justement pour quand ils les ont mis, etc. dans un magasin. Et là, je suis en train de préparer. Et ouais. Les 10 ans de Léana sur le thème Jasmine. J'ai déjà commencé à faire quelques petits achats que je vous montrerai prochainement quand on fera l'anniversaire. Je filmerai les préparatifs. C'est moi qui fais le gâteau, c'est moi qui fais la déco. Voilà, j'ai plein d'idées maintenant. Il va falloir que je commande tout ça. J'espère que ça arrivera à temps parce que je vais aller sur Amazon. Donc, regardez. Donc voilà, et puis ce week-end, il faut que je réalise aussi le montage donc, de ce que vous allez regarder. Et je dois réaliser aussi le montage de la vidéo des vacances qui n'est toujours pas finie de sortir les vidéos de mon téléphone pour les mettre sur l'ordinateur pour faire le montage. Non, j'ai pas fini, mais il y avait au moins 200 vidéos entre la GoPro, le téléphone, les photos. Je sens que ça va être un peu long, mais c'est pas grave. La priorité là, c'est pour la rentrée. Et ensuite, je mettrai les vacances. C'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Et voilà. Et puis, j'ai encore des vidéos recettes que j'ai filmées, mais qui n'ont pas été faites de montage. Parce que je n'ai pas le temps. Depuis que je retravaille depuis le mois de mars, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ou alors, quand je rentre le soir, j'ai juste envie d'être allongée dans ma chambre à me reposer. Donc je suis désolée que vous ne me voyez pas très souvent sur les réseaux, je m'en excuse, je suis souvent sur Instagram, Facebook, etc. Mais je réponds, etc. Et je réponds aux commentaires, mais j'ai pas le temps de faire mes tournages, mes trucs comme ça. Donc voilà, donc là j'ai vraiment dit, il faut à tout prix, j'ai mis dans ma liste à faire, c'était de filmer cette vidéo spéciale rentrée pour que demain je puisse faire le lavage des vêtements et que je puisse les repasser, les ranger. Comme ça on n'en parle plus, c'est fait pour lundi. Voilà quoi, je crois que j'ai tout dit. Oui, il ne manque plus rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les barres d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez ce que je fais. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne avec des recettes, des vlogs vacances. Et puis, la vidéo spéciale anniversaire thème Jasmine aussi qui arrivera après le 13 octobre. Hein, parce qu'elle est née le 10, on le fête le dimanche 13. Donc après, dans la semaine qui suit, quand j'aurai le temps de faire le montage, etc. Ça arrivera dans le mois d'octobre. Voilà pour ça. Sinon, bah, rien à dire. J'en profite hein, en même temps pour inclure quand il y a des choses entre-temps qui se passent. Mais non, depuis la dernière vidéo que, voilà, que je vous avais dit que je travaillais, tout ça, que c'était pas évident, qu'on partait en vacances, etc. Rien n'a changé. On a repris le travail, le train-train quotidien, quoi. Donc, non, rien de nouveau. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Ciao !